San Diego has shut down. Literally, it has shut down. Look at the freeway right now. Oh my gosh. Ça se passe aux États-Unis. Et donc, il y a eu un accident sur l'autoroute. Et voilà. Le blindé a clairement, il s'est éclaté. Et l'argent a fuité de partout sur l'autoroute. Voilà. En fait, ce qu'il y a d'amusant dans l'histoire, c'est voir combien de fois, dans notre génération, ou si vous voulez, aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'essentiel. Les gens sont beaucoup plus dans la distraction que dans le fait d'aller à l'essentiel. Et dans cette distraction, vous voyez, les réseaux sociaux sont toujours en avant-garde. Et donc, en fait, dans l'histoire, si tu veux, ce que je voudrais montrer ici, c'est en fait te dire qu'il y a des choses qu'il faut médiatiser. Il y a des choses qui n'est pas important un seul instant de médiatiser. Pourquoi? Mais parce que des fois, ce n'est pas important de montrer aux gens que tu fais ceci ou tu fais cela, en fait. Tu n'es pas obligé de montrer aux gens que tu es en train de vivre une certaine chose. Voilà, tu n'as clairement pas besoin de montrer ça. Et donc, dans cette vidéo, je voulais te poser la question, est-ce que toi, tu es prêt à médiatiser toutes les joies, toutes les tristesses, toutes les peines que tu vis au moment pendant lequel tu le vis? Ils se sont pas rendus compte que c'était un blindé qui s'éclatait, d'où sous l'euphorie. Ils se sont simplement rendus compte qu'il y avait des billets partout, qu'il pleuvait des billets. Et donc, la plupart, ils sont descendus de leur voiture. Voilà, et cette jeune fille qui faisait le live sur son téléphone est descendue. Voilà, donc les gens ramassaient de l'argent. Moi, il y avait des billets partout, c'était des coups. Vous savez que quand les banques font des approvisionnements, des fois, ce sont des grosses coupures, des coupures de 100, ou des coupures de 20, ou des coupures de 50, ou des coupures de 500. Voilà. Et donc, au lieu de ramasser l'argent, ils se sont mis à faire des lives sur Facebook. D'autres même prenaient de l'argent et jetaient encore, tout en ignorant que c'était l'argent d'une banque. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, à l'instant, puisque c'est un blindé, forcément, il y a des agents de sécurité à l'intérieur. Donc, le blindé va forcément appeler la police. Et donc, au lieu que ces gens ramassent de l'argent, prennent leur argent et s'en aillent, ils se sont simplement mis à faire des lives. Non, c'est pas possible. Vraiment, c'est merveilleux. On n'a jamais vu une chose pareille. Une personne a laissé tomber de l'argent. C'est-à-dire qu'elle dit, qu'une personne a laissé tomber de l'argent. Elle ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un blindé et que c'est l'argent d'une banque. Et il y a même parmi, il y a un couple en fait qui est descendu de sa voiture tout en laissant, en oubliant les clés de la voiture dans le véhicule. Et donc le véhicule s'est verrouillé automatiquement et ils sont restés bloqués dehors. Donc quand ils sortent, ils oublient les clés à l'intérieur, tellement pressés d'aller ramasser de l'argent. Ils ont oublié les clés à l'intérieur. Et donc là, ben, vous avez oublié les clés de la voiture à l'intérieur. Vous faites comment? Vous avez l'argent sur vous. La police est venue les cueillir un à un. Un à un. Pour dire quoi? Pour dire simplement que, vous savez, il y a une mentalité, en fait, qui fait que les gens ne sont pas habitués à l'argent. De façon commune, que ce soit, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune. En fait, il y a une mentalité qui n'est pas habituée à gérer de l'argent. Et donc, cette catégorie de personnes, chaque fois qu'ils se retrouvent devant de l'argent, ben, en fait, ils sont un peu comme ébahis. Et c'est l'agitation dans tous les sens, c'est l'émotion qui prend le dessus et on ne se contrôle plus. Ils auraient pu simplement prendre leur argent. C'est-à-dire pas prendre ce qu'il... Non, il n'était pas question de prendre tout parce que ce n'était pas possible. Ça coulait à flot de partout. Il était la question de prendre la partie que tu peux prendre. Tu prends ton véhicule, tu fonces ni vu ni connu. Tu prends ton véhicule, tu fonces ni vu ni connu. Mais ils se sont mis à faire des lives pensant que c'était leur argent ou pensant qu'ils avaient déjà tout et que l'histoire devait se passer comme ça sans qu'il y ait des comptes à rendre et tout. Voilà. Voilà des gens qui vont faire la prison bêtement. Voilà des gens qui vont faire la prison bêtement. Parce que l'affaire est déjà entre les mains de la police. L'affaire est entre les mains du FBI. Vous allez faire quoi? C'est le FBI. Vous avez fait des lives sur Facebook. Mais ils vont scruter Facebook. Ils vont retrouver vos comptes. Ils vont remonter. Même si tu as supprimé la vidéo. Vous savez,
À ce propos, lorsque vous postez du contenu sur Facebook, même si vous supprimez, il y a ce qu'on appelle la latence. La latence, c'est le temps que met l'algorithme pour exécuter une action qui a été commandée. Donc, il y a ce temps de latence-là qui fait que, même si vous supprimez ici, c'est supprimé dans votre compte, mais au niveau des serveurs, il y a toujours des traces. Donc, on peut toujours remonter la piste pour trouver qui a posté ça. Et donc, ces personnes-là, elles ont fait des lives Facebook pour montrer qu'il y avait de l'argent. Et la police s'est servie de ces mêmes lives. La police s'est servie de ces mêmes vidéos pour les traquer et pour les arrêter. Voilà, donc, donne-moi ton avis. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Ça dit, tu roules sur l'autoroute et de là, tu trouves de l'argent. Tu aurais fait quoi? Est-ce que tu te serais contenté de ramasser simplement ton argent, de t'en aller? Ou bien tu aurais d'abord fait le live Facebook pour montrer aux gens que voilà, je suis devenu milliardaire? C'est ça la mentalité du pauvre. C'est-à-dire que la mentalité, le mindset du pauvre, lui, il veut d'abord se faire voir. Il veut d'abord montrer qu'il en a. Et non, il y en a suffisamment. Vraiment, quelqu'un a laissé tomber de l'argent. Elle oublie qu'il y a un blindé, qu'il y a un accident. Elle a même oublié ça. Elle s'est simplement mise à faire le live, à traverser la route même. Elle a même failli se faire faucher par les véhicules. Elle aurait pu se faire faucher même par les véhicules qui passaient. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'arrêtait. C'est vrai que c'était sur un endroit où la plupart des voitures étaient stationnées. Mais la plupart d'entre eux, ils se sont fait prendre. Il y en a d'autres qui se sont fait prendre parce qu'ils en voulaient trop. Et il y en a d'autres qui se sont fait prendre par imbécilité simplement. Voilà. Moi, je tombe sur une affaire comme ça, ben, je ne peux même pas passer mon temps à dire que je vais, je vais traîner. Non. Je prends mon argent, je prends ce que je peux prendre, je prends en comptant, peut-être pas en comptant, mais je prends la quantité que je peux prendre. Au plus, si j'ai trop fait ces 2 minutes, je pars. Voilà, je crois qu'en 2 minutes, tu as suffisamment ramassé. Sur un boulevard, on te dit que les billets sont entassés. Les billets étaient entassés. Il y en a un qui a pris une bonne quantité. Il a même encore jeté sans l'air. Mais tu jettes quoi? Tu jettes quoi, mon frère? Ramasse ce que tu ramasses, tu pars. Voilà. Donc, dites-moi ce que... dites-moi ce que vous auriez fait. Vous auriez fait quoi? Est-ce que vous auriez ramassé les billets? Vous contentez de ramasser ce que vous pouvez ramasser en un laps de temps réduit? Vous en allez partir, disparaître à jamais de là, de cet endroit? Ou bien vous aurez passé tout le temps là à faire des photos, à faire des selfies, à faire des vidéos pour montrer que non, il y a de l'argent quelque part? Parce que tout le monde ne peut pas avoir, c'est votre chance. Je ne sais pas s'il faut appeler ça de la chance, de la grâce ou quoi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une opportunité là d'avoir de l'argent gratuitement, mais qui n'ont pas su saisir. Voilà, est-ce que devant ce type d'opportunité, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà, donc c'est Rivano Gomez et ici c'est Rivano Gomez TV. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez un like si la vidéo vous a intéressé. Voilà, et nous sommes là, quoi. C'est la famille.